Salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 sur Sherlock Holmes. Et donc la dernière fois on a découvert cette pièce dans la fonderie, il me semble, d'une personne dont j'ai oublié le nom, il y a trop de personnes là. Et on va voir un petit peu ce qui s'y trouve. Donc déjà on a ceci, qui est une gravure. Et je pense que c'est celui qui est dans le club. Et où il y aurait une maquette. Ensuite, on a ceci qui paraît très intéressant. Voilà. Mais il manque une partie du mécanisme. Voilà. Écartez-vous, Watson. Si vous ne voulez pas vous faire empaler par Tekunuman. Putain, il m'a fait trop peur. Il dit le écartez-vous, j'ai en mode quoi. A démonté ses réveils pour prélever des... Et là, il y a un coffre. C'est fermé. Non, sans blague. Non, mais je pense que la théorie de tout à l'heure que j'ai eue sur le fait que la statue était un truc mécanique, là. Franchement... ça me paraît tout à fait fermé. Possible du coup. Parce que vu que ça a été arraché, il a arraché la statue, on a mis une mécanique qui était programmée, enfin je sais pas trop du coup, pour faire le mouvement hop et courir, mais du coup c'est bizarre qu'elle se soit enfuie toute seule au-dessus du mur quand même. Peut-être qu'il est de mèche avec le gars du club. Ouais, c'est une théorie. Par contre, il me voit un truc là, une clé. No. Oh, tu vas. Et je peux pas. Fermé à double tour. Tu veux pas utiliser ton pouvoir magique, ton petit truc là, ton truc de docteur, en plus t'as toujours la blouse. Est-ce que je dois aller forger une clé? J'ai pas du tout envie de descendre. Actuellement, j'ai la pétoche. C'est qu'à le dire. Bon. Bien, on va descendre pour éventuellement mourir. Vous vous rendez compte que ceci n'est pas un jeu d'horaire. Mais j'ai extrêmement la trouille. Ok. Je ne suis pas du tout peureuse. Ah, il y avait un truc à faire. Ok, restaurer le mécanisme de l'automate en reliant tous les engrenages sur les trois niveaux. Ok. Oh, putain. C'est-à-dire... Ah, ok. Ça va, c'est troll. Un petit ici. Nope, pas du tout. Voilà. Reviens à ta place. Qu'est-ce que c'est ça? Pour le surélever, je crois. Il y a une chaîne aussi. Oh là là, c'est compliqué. C'est trop compliqué pour moi, ça. Oui. Faut que je réfléchisse calmement. Ça touche pas le truc. Bon, mais toutefois il y a rien, donc ça doit être ça. Ah, ok. Donc, il faut qu'il soit au même niveau. Donc la dernière petite pièce était... Ok. J'avais raison. Avouez. Avouez, pour une fois dans ma vie, j'ai compris un truc. N'est-ce pas? Non, c'est là que je voulais aller. Il y a une clé. Oui, mais c'est pas ça que je veux. Que nous avons trouvé la clé du coffre.
comme par hasard, Salazar. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est pas grave. Comme par hasard, quand même, la clé était là où la lance a touché le truc. Ouais, bon, bah, tout à fait. Coïncidence, je ne crois pas. Qu'est-ce que c'est ? Un carnet. Je sais que je suis l'élu. Tekunuma veut m'utiliser à son gré. Oh Seigneur, protégez-moi. Je ne veux pas mourir. C'est vraiment un illuminé, ce mec, en fait. Ah, la partie du globe manquante. Je sais où il va. Pourquoi faut que je tourne ? Cet objet doit être... Mais oui, tu sais toi aussi où il va. Cette partie est en or massif. Elle vaut une fortune. Et le reste est... Oh. La statue est en trois parties. Seule celle en or est d'origine. Marley doit avoir reconstitué les deux autres. Stylay ? Il fera bientôt jour. Les ouvriers ne vont pas tarder. Il est temps de partir. Ouais, je me fais pas prier. Je rentre de suite chez moi. Le lendemain matin. Waouh. Bon, tu vas te changer là parce qu'il y en a marre. Je veux pas dire, mais il y a toujours... C'est pas là. Il y a toujours la lettre accrochée sur le... comment ça s'appelle ? L'armoire. On va parler au Dr. Watson. Une statue tueuse ? C'est impossible. Enfin, j'espère. Alors, oh le chien. J'espère que ce dos n'a rien à voir avec le travail de Watson. Ma table d'analyse. Je pense qu'il faut faire les B. Donc, travail de Marley avec fait à propos du crime. Ok. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ça. Voilà. Calendrier Maya. Superstition. Logique. Fils d'Albert. Fuite par la licarne et fils d'Albert, c'est un rapport. Ah bah, faut m'expliquer les gars là. Allez, il me manque encore des indices. Donc, déjà on va voir ce qu'on a ici. Automate. Pas automate. La statue de Dekunuma du club était un automate où il est impossible. Non mais vraiment, faut pas se foutre de ma gueule les mecs. Donc, erreur. Non. Statue en fuite. Et là, par contre, c'est interprétation. Je savais que la statue en fuite, c'était ça. C'est obligé. Ensuite, attaque. Les attaques contre Sagaria et Albaïs témoignent d'une grande habileté. C'est un peu panier. Petite taille. Ah, ok. Personne... Hein? Ah, mais vous m'embrouillez, les gars. Mais vous m'embrouillez. Un jeune enfant n'aurait pas eu la force ou la ruse nécessaire pour tuer quelqu'un. Ou Albaït, à propos de son fils, celui est peut-être une autre personne de petite taille qui pourrait être le meurtrier. Ah non, hein. Vous me faites passer par. Je sais pas quoi là. Bernard, pas beaucoup Bertrand. Marley croit vraiment être l'élu. Ou a peur de la malédiction et essaye de se protéger. Vous me perdez les gars, vous me perdez. Témoignage. Ok, donc on ne souhaite pas aller du temple. Albaïtement n'aurait pas pu confirmer la maquette de la pyramide quand ayant réussi à rentrer. Je ne sais pas. Je veux pas faire d'erreur cette fois. Il est impossible de terminer la maquette. Ah merde, il y avait un truc. Ça c'est quoi? Merde. Opportunité, Sir Charles est au courant pour la malédiction, il avait l'occasion idéale, ou Sir Charles n'est pas au courant, mais il est au courant. Oh non! Je comprends pas. c'est quoi ça? L'élu. Bon, on va aller continuer à chercher des indices hein, avant que mon cerveau n'explose sous tout ça. Donc, on va aller au club. Putain, les gars, ça fait 2 jours, ils sont toujours autour de la statue pour parler, quoi. Enfin, la statue. Du piédestral de la statue. Oh, j'arrive pas à parler. Dire que Zacharias avait été tué par la lance de la statue. Pourquoi la police ne nous dit rien? Nous avons le droit de savoir.
Mais nous avons le droit de le savoir, mais on s'en bat les couilles de ton avis, ma vieille. Allez, c'est parti mon kiki, globe. Viens ici. Oh. Eh, le mec, il est quand même au taquet fort pour l'époque. Hein. Par contre, ça fait un bordel pas possible. Voilà, la maquette est complète. Avec un peu de concentration, je dois pouvoir imaginer ce qu'il s'est passé. T'es sérieux, mec ? Voilà, la maquette est complète. Voilà, la maquette est complète. Avec un peu de concentration, je dois pouvoir imaginer ce qu'il s'est passé. Non. Il doit faire quoi ? Je sais pas ce que je dois faire. Il manque plein de trucs. Découvrir la vérité sur le temple. En utilisant la maquette du club, il sera possible de découvrir pourquoi les membres de l'expédition ont peur de parler de ce qu'ils ont vécu dans le temple de Tekunuma. Ok, donc j'arrive. Que va-t-on découvrir ? Telle est la question. C'est vraiment bizarre. Oh wow. Ok, le mec, c'est il est dans son palais mental. Tout va bien. Ils ont découvert des cadavres empilés. C'est glauque ce que je viens de dire, je me suis fait peur toute seule. On essaie de tout bien vérifier pour ne rien oublier. Qu'est-ce que se passe ? Bah déjà les gars, genre... si vous rentrez dans un temple, généralement vous en sortez pas. Bah... bonjour. J'ai trop peur, j'ai tout lâché. Est-ce qu'il faut que je suive les trucs d'en face ? Est-ce que c'est ce sur quoi je peux marcher ? C'est quoi à côté de moi ? Je peux marcher là-dessus ? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Putain, ça me fait peur à chaque fois. Je pense que je peux marcher que sur les trucs. Il y a ça en face. Ça y est, là. Voilà. Hop. Ensuite, on a ça. Ça et ça, je peux. Non! J'avais trop bien compris, trop bien réussi. C'était par là. Là, là, là. Là. Ici. Je veux aller là. Ça, je peux marcher dessus. Oui. Ensuite, ça, là, avec l'espèce de croix, je peux aussi. Et ça, je peux. On dirait... Ok. D'accord, donc de toute façon cela ne servait à rien. Ok. Est-ce que ça je peux marcher dessus ? Non. Oh. Donc c'est par là. Là.
Ça, je peux. Oh, vas-y, Molo, on te fait tuer là. Comment Faut que j'accède. Je sais. Là. Ici. Ici. Vous êtes pas cool, les gars. Je vais me retaper tout le chemin là. No. Envoyez les molos, hein. J'ai réussi. Ouh là là là. J'aime pas qu'on se sauvegarde. Enfin si, il vaut mieux, mais c'est pas super rassurant quoi. J'ai trop la trouille. C'est trop un truc de fou, mais je suis une froussarde. Oh là là. Je ne parle pas à cause du stress, hein, je préviens. Ce n'est pas que voilà. C'est que je suis actuellement très 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 stressée. Qu'est-ce que c'est? Ah, ce bruit de chiot que je viens de faire, genre. J'ai entendu un bruit trop bizarre chez moi, j'ai eu peur. Alors. Je ne comprends pas. Bon, on va essayer d'en tourner pour voir ce que ça fait. Ah. Ok. D'accord. Oui, bah non, c'était pas ça. Ok, donc il montre de combien il tourne. Donc, puis il tourne d'un demi. Ouais, par où? Par là-bas. Non, par là. Ok, donc fuit fond d'un demi. Donc si on est ici, il va arriver là. Il me faudrait tourner de. Bon, on va y aller un petit peu, puis il faut mettre. Hein, j'aime bien ça. Oh. Puis le pif faut mettre, ça a du bon. On va devoir activer tous les trucs, ça va être relou. Enfin, tous, il y en a trois, mais c'est déjà trop. J'ai pas fait gaffe, mais si on regarde bien, au-dessus, là, il y a des trucs qui nous disent ce qu'on doit faire, en fait. C'est ça. C'est ça, je me tue. Allez. Oh! Sérieusement? Mais c'est quoi les trucs en haut? Parce que j'ai fait qu'un demi-tour. Ou c'est depuis le. Depuis l'entrée, entre guillemets. Le nombre de tours qu'on doit faire depuis l'entrée. Ça devait être ça. Ouais. Ok, et donc là, il faut quoi? Un tiers? C'est celui-là, non? Non, je sais pas. Ouais, on va essayer lui. Ça me gratouille. J'aime tellement Sherlock, même si là actuellement je la trouille. Bon, on va aller par là. Eh, je n'ai pas du tout le sens d'orientation, vous vous souvenez? Et voilà, ça se prouve à 10 000 milliards de pourcents.
partir du moment où il y a un cul-de-sac. Ah, bah c'est pour moi. Ok, tu t'es chauffé. No, avance. Moi j'ai peur. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Oh fuck. Oh non. Agna. Agna. Pourquoi vous faites ça ? Oh, le bruit du tonnerre était beaucoup trop réel. Mais quoi ? Bah oui, bah je peux pas courir plus vite qu'il court. Ah, je peux me cacher, je crois. Attendez, on va essayer pour voir. Là. Ah ouais. Sûr qu'il y en a un autre derrière. Non. Ah ok. Monsieur, il use. Il se balance. Je me cache à chaque abri parce que c'est plus sûr. Hein. Vas-y, repasse. Je veux pas te détruire sinon. Je te jure, tu me faciliterais la tâche. Merde. Espèce de tombé. Ok, bon bah je sais qu'au dernier, il faut, faut attendre. Voilà. Ok. J'ai trop peur. Mais non, arrêtez de suite ce bruit d'orage. Je n'aime pas ça. Ok. Ok. On va aller là. Ah, j'ai craqué. J'ai la chair de poule et tout là. J'aime pas ça. Du tout, du tout, du tout. Je me sens de moins en moins rassurée. Une chose est sûre, c'est que je ne serai absolument jamais exploratrice, n'est-ce pas? Voilà. Oh, vas-y. Oh non, vous êtes sérieux, les gars? Les dalles qui bougent. À votre époque. Oh non! Je sens mal. C'est obligé. Non mais je me sens mais vachement rassurée. Oh merde. Oh merde. Fouk. Ah oui, ah mais oui, ah mais tout à fait. Alors là, comment vous expliquer que je me sens pas très très bien. Ah non, ce passage va m'énerver. Je le sens bien. Ok Marie, tu respires, ça va le faire. Non, non. Je fais comment? Je fais comment? Ok, d'accord.
c'est au taquet stressant. J'ai réussi. Ouais, tu peux transpirer, mec, hein, parce que là, moi aussi. Hein. Non, je transpire pas, mais je me sens toute molle. J'ai pas d'autres mots. C'est très bizarre comme mot, d'ailleurs. Pourquoi il y a des bougies partout et tout, mais les gars, vous êtes censés être morts depuis 500, je sais pas combien d'années, là. Cet épisode va être beaucoup trop long. Ah, bonjour. Est-ce qu'on arrive vers la fin du temple ? Oh, c'est quoi encore ? Oh ! Pardon, j'ai pas tout compris. Je dois pas passer à côté de certains, c'est ça? Oh, vas-y, ça va me saouler. Pourquoi? Mais pourquoi vous me faites ça? Moi, j'ai rien de moi aussi. J'étais là, tranquille. Ouais, c'est ceux avec le masque. Oui, il y en a, ils ont de la couleur sur leur tête. Eh bien, il ne faut pas. Là, voilà, celui-là. Celui-là. Je vous parais que là il y en a un. Vas-y. C'est obligé. Vous êtes sérieux les gars? Oh là là. On y a réussi. C'est pas si compliqué que ça. Faut juste que j'arrête de râler. Cul-de-sac ou pas cul-de-sac? Hey, mais je commence à voir sans orientation. Hein. Je sais pas ce qu'on va trouver à la fin, mais je pense que ça va pas être Jojo. Hein. Sinon, je propose qu'on s'arrête ici pour que mon taux de stress redescende. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois pour découvrir sur quoi on va tomber dans ce magnifique temple. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir toutes ces énigmes, même si ça me fait flipper. Mais c'est cool, j'aime toujours autant ce jeu malgré tout. Et donc, je vous dis à très vite pour la suite des aventures. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de laisser un petit like, de laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. À très vite !